Sicilia. Nanazola leo nini la wasi na wasi. Namu karibu waje ni marijilia. Wanyawe. Nanazola leo nini la wasi na wasi. Namu karibu waje ni marijilia. Nanazola leo nini la wasi na wasi. Sans oublier, Monsieur Papa Love et Monsieur Tahalani. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, je vous reprends. Il est exactement 6h du matin avec un vlog pour un week-end. Donc ce vlog va être très très long. Donc vraiment, prenez le temps de prendre du jus, du pop-corn et de bien vous installer sur votre canapé. Donc aujourd'hui, on est le jeudi 6 décembre. Comme je vous ai dit, il est 6h30 du matin. On est en plein préparatif du mariage de ma petite cousine. Donc le mariage commence demain. Ça va être, on va dire, l'union religieuse. Et samedi, ça va être à la salle. Donc là, on est jeudi. Là, je dois aller me préparer pour aller chez la coiffeuse puisque je dois aller faire ma tête. Ensuite, on va enchaîner avec la confection de gâteaux. On a déjà commencé hier, mais là, pour le coup, aujourd'hui, on doit encore en faire puisque la quantité qu'on a fait de gâteaux hier est loin de ce qu'il nous faut pour samedi. Du coup, aujourd'hui, on va encore continuer la confection des gâteaux. Du coup, j'ai décidé de vous de commencer ce vlog à partir d'aujourd'hui pour vraiment vous montrer comment se passent les mariages chez nous. Pour celles qui ne savent pas, je suis originaire de l'île de Mayotte. Donc, les mariages chez nous, c'est vraiment, on va dire, un acheminement d'étapes. C'est vraiment des étapes, étape par étape, pour qu'on arrive vraiment à la concrétisation du mariage. Il faut savoir que quand vous allez dans un mariage mahorais, vous allez voir plein de trucs, plein de jolies choses, plein de senteurs, de plats, d'ambiance et tout. Mais avant tout ça, il y a vraiment une préparation de fou derrière. Et tout ça, j'ai envie de vous le partager aujourd'hui. Donc là, comme je vous ai dit, il est 6h30 du matin, je viens de me réveiller, je me suis préparée, j'ai démêlé mes cheveux. Comme ça, la coiffeuse, elle ne va pas galérer à démêler le tout. Je lui ai un peu, on va dire, avancé le boulot. J'attends que les petites se réveillent puisque voilà, on n'est pas en vacances. Les petites vont se réveiller, vont déjeuner, je vais les préparer, les déposer à l'école et je vais partir chez la coiffeuse avec Kiki et normalement avec mes petites sœurs à voir. Donc voilà. C'est bon les amis, du coup là, je viens de déposer les grandes à l'école. Il est 8h20, il fait 0 degré, il fait super froid dehors. Dans la voiture, il fait super froid. Là pour le coup, je viens d'allumer la voiture, je suis en train d'accélérer un peu pour faire chauffer le moteur parce que vraiment, il fait un froid de canard, comme on dit. Hop, on va se dépêcher parce que du coup, la coiffeuse, elle m'a dit de venir à 9h. Comme ça, en 1h30, ma tête est faite et je reviens à la maison pour récupérer les filles parce que je ne les ai pas inscrites à la cantine. Donc là, ça va être vraiment la matinée. Course, course, course. Course, course, course. Bon, allez, go, on y va. Amis, je viens de revenir à la maison. Je suis trop trop contente du résultat parce que c'est vraiment le rendu que je voulais. Donc là, elle m'a fait les boucles. Là, on est jeudi. Après, les boucles, je pense pas que je vais les garder jusqu'à samedi. Mais après, là, elle m'a fait pour sa petite story snap. Donc les filles qui habitent aux alentours de Saint-Étienne, Laricamari, Firmini, Chambon, vraiment aux alentours, n'hésitez pas, c'est une pépite cette femme. Elle est trop trop gentille, trop trop mignonne. Et vraiment, elle m'a coiffée. Là, j'ai fait un tissage. Mais genre, je sens même pas qu'on m'a coiffée. Tellement genre, c'est pas serré. C'est serré, mais genre juste à peine. Genre c'est serré, tu sens que voilà, t'as fait ta tête. Mais c'est pas serré au point où tu te dis, ouais, ce soir, je vais pas dormir. Je vais devoir prendre des doliprane et tout. Non, vraiment, je suis très très contente du résultat. Et comme je vous ai dit sur la vidéo, oh, j'aime trop. Et comme je vous ai dit sur la vidéo précédente, quand j'ai pris les extensions, en fait, je voulais me faire coiffer comme là, il y a les fêtes de fin d'année et tout. Donc, je voulais faire ma petite coiffure pour être tranquille pour tout le mois. Puisque voilà, on est invité à droite, on est invité à gauche. Comme ça, je sais que voilà, je suis coiffée pour tout le mois de décembre.
Ah, je suis trop trop contente. Vraiment, le résultat est top. Et même les extensions, j'ai bien choisi. T'aimes bien? Hein? Ça me correspond? Je suis trop trop contente. Là, au top. Après, à voir samedi comment je vais faire. Est-ce que je vais faire un chignon? Est-ce que je vais faire... Je ne sais pas encore. Mais voilà. Coiffure, ok. Là, je vais mettre un foulard puisque cet après-midi, on va faire les gâteaux et tout. Et j'ai pas envie que mes nouveaux cheveux sentent la bouffe. Donc, un petit foulard. Et je vous reprends après cet après-midi. Bon, les amis, je vous reprends. Il est exactement bientôt minuit. Donc là, pour les gâteaux, vous n'allez pas avoir de séquence où on a fait les gâteaux puisque voilà, on les a fait hors caméra. En plus, c'était trop la course. Donc là, la séquence des gâteaux, vous n'en aurez pas. Pour le coup, je vous reprends que maintenant puisque là, je vais venir préparer la boîte, enfin pas les boîtes, les plateaux petit-déj du marié et de ses amis, enfin de ses témoins en général. Donc chez nous, le jour du hlel, on va dire, on offre au marié le petit-déj. Donc là, ça va être dans des petits plateaux, je vais voir comment je vais faire. Mais voilà, on m'a ramené tous les petits ingrédients dont j'avais besoin pour préparer tout ça. Donc vous avez ici... J'ai tout mis dans un plateau, les fruits. Ici, on a de la farine, du sucre pour préparer des crêpes, des gaufres, des pancakes. Là-bas, j'ai demandé un paquet de pain de mie pour faire des petits toasts. Ici, on a de la charcuterie, donc bacon, des tranches de poulet et de dinde. Et ici, on a quoi? Pareil. Donc, ma cousine a pris des dates, elle m'a pris les sucres vanille, les beurre chimique et les fromages. Donc, je vais les mettre au frais. Il y a des petits pots de Nutella comme ça. Trop mignon qu'elle a pris à Action. Hop, on a les petits jus d'orange, donc je pense qu'on est nickel. Donc tout ça doit être prêt pour 7h. 7h. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par préparer mes pâtes, ma pâte à crêpes, pâte à gaufres et ma pâte à pancake que je vais laisser reposer. Ensuite, je vais nettoyer tous mes fruits, les découper pour être tranquille. Après, de toute façon, j'ai que l'ananas à découper, la mangue et les kiwis. Les kiwis. Après, sinon, ça va être tout de la disposition, que de la déco après. Donc là, je vais vous embarquer avec moi pour la confection des petits plateaux, petit-déj du marié. Allez, c'est bon, j'ai fini de préparer mes pâtes. Donc on a la pâte à crêpes, la pâte à gaufres. Donc là, elle est comme ça parce que je suis en train de la laisser reposer, puis venir incorporer les blancs en neige. Je la laisse reposer 15-30 minutes. J'ai nettoyé tous mes petits fruits. Donc vraiment, ma cousine a pris un peu de tout. Donc des myrtilles, comme je vous ai dit, des groseilles, des framboises. Hop, 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 ananas nettoyé, les raisins nettoyés, kiwi, clémentine, les mangues. Donc j'ai pas fait les découpes. Je vais mettre les Tropicana au frigo. J'ai sorti les petits poêlons pour faire cuire les pancakes. Il y a la troisième pâte qui est au frigo. La pâte à gaufre. À gaufre, ouais. J'ai sorti les petits poêlons comme ça, là, en forme de cœur. Donc les petits pancakes du marié seront en forme de cœur. Trop trop mignon. Donc là je vais filmer tout ça. Je vais aller faire un petit dodo puisqu'il est minuit et demi. Je vais aller faire un petit dodo et je vais me réveiller vers les alentours de 5h du matin pour lancer les cuissons des pâtes, de toutes les crêpes, les gaufres, les pancakes et commencer à disposer le tout tout doucement. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Là, il est exactement 6h du matin. Là, j'ai commencé les cuissons. Ça fait déjà une bonne trentaine de minutes. Hop. Ici, on a les crêpes. Ici, on a les pancakes que j'ai bientôt terminé. En plus, j'ai sorti l'appareil à raclette. Comme ça, au moins, ça va plus vite. Je l'ai fait 6 par 6. Au début, j'avais sorti les petites poêles en forme de cœur.
mais ça le faisait pas en fait. Pour retourner, c'était trop galère. Du coup, j'ai sorti l'appareil à raclette. Et là, franchement, ça allait super vite. La pâte à pancake, elle est finie. Là, il y a la pâte à gaufre à sortir. Et je vais enchaîner. En fait, j'enchaîne plusieurs cuissons en même temps. Hop là. Donc voilà le rendu des petits plateaux. Ils sont trop, trop beaux. Je suis trop, trop contente. Trop fière de moi. Rafida, elle est jalouse. Elle aussi, elle veut se marier. Là, il y a Rafida qui m'a rejoint. Elle a tartiné un peu les pains de mie, les toasts et tout. C'est mon rêve pour m'avancer. Rafida, tu veux te marier toi aussi? Bah oui. Du coup, j'ai mis de la mangue, il y a de la framboise. De toute façon, j'ai tout disposé, tout ce que je vous ai montré hier soir. J'ai mis de la charcuterie. Là, je vais venir les emballer avec du papier cristal pour que ça fasse bien joli, bien chic. Et ensuite, t'appelles le chauffeur? Le chauffeur va venir les récupérer. Kévi, tu vois ça? Kaili, Laïwan. Du coup, voilà le rendu. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien. Je pense que de toute façon, tout le monde va bien aimer. Ah, mon téléphone, je vais faire un snap pour la mariée parce que du coup, la mariée, ouais, elle veut voir le résultat. Je pense qu'elle va être trop, trop contente. Mama tunda ya putwe ilingi ya matoni. Ai tunda ya putwe ilingi ya matoni. Mwambie tete aje aitoe. Mwambie tete aje aitoe. Mwambie tete aje aitoe. Mwambie tete aje aitoe. Bon, c'est bon, les petits déjeuners sont partis, le chauffeur il est venu les chercher. Du coup là on va continuer à les faire, mais là cette fois-ci c'est des plateaux qui vont descendre chez la tata pour tous les fundis. Tous les fondis, c'est genre les imams, tous les imams qui vont venir chez ma tante pour l'union. Comment vous dire que là, il est 8h, les filles, elles sont parties à l'école, je suis trop, trop fatiguée. Rafida, t'es fatiguée? Non, Rafida, t'es pas fatiguée. Trop, 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 trop. Allez, on continue. Rafida, t'es fatiguée? Je suis fatiguée. Demain, vous allez pas la reconnaître. Demain, vous allez dire non, c'est pas Rafida. Allez, on continue. J'ai refait deux petits plateaux avec les quelques ingrédients qui nous restaient. Là encore, il reste des croissants, mais comme ils étaient surgelés, ça craint pas, on les a remis au congélateur. Il restait en fait juste les fruits qu'on avait découpés. Du coup, j'ai refait deux petits plateaux pour la mariée. Elle va être super, super contente. Donc voilà, les plateaux pour le marié et ses copains, ses témoins et tout, les plateaux sont déjà partis comme vous avez pu le voir. Donc ceux-là, je vais venir les emballer. Rafida est partie pour aller se changer. Moi, du coup, comme je vous ai dit hier soir, je ne sais pas si je vais être à l'union ou pas, parce qu'il y aura beaucoup de monde. Donc, je préfère être quelque part d'autre et, on va dire, faire autre chose pour avancer tout ce qu'on a à faire, en fait. Donc, moi, je ne pense pas que j'irai à l'union religieuse et tout. Après, de toute façon, demain, on se voit tous à la salle. Donc, franchement, si je loupe aujourd'hui, je ne serais pas triste, quoi, puisqu'on se rejoint tous demain et tout. Je vais venir emballer les plateaux petit-déj de la mariée et nettoyer la cuisine, puisque voilà, la cuisine, elle est en bordel. Nettoyer la cuisine et ensuite je vais aller déposer Rafida et les plateaux et ensuite moi je vais enchaîner avec autre chose. Bon, j'ai fini de nettoyer la cuisine, j'ai lancé le lave-vaisselle. Ici j'ai fait le tri un peu, il nous reste des petits pots de Nutella donc je pense que ça pourra servir pour demain. La pâte à crêpes, j'avais doublé les doses, du coup il en reste, je vais transvaser dans un plus petit saladier et filmer, réservé au frais. Au niveau des tartines au fromage, Rafida en avait trop fait. Je lui ai dit, fais-moi quelques tranches. Elle a fait tout le paquet de pain de mie. Du coup, là, je vais les filmer pour les conserver. Ça servira toujours cet après-midi. Il y a des filles qui vont venir nous aider. Donc, comme je vous ai dit, c'est de la solidarité. Vraiment, nous, quand on fait un mariage à Mayotte, tout se base sur la solidarité. Personne attend d'être payé ou personne se dit, ah, moi, je fais. Et en échange, j'ai envie d'être payé. On s'entraide parce qu'aujourd'hui, c'est la copine qui se marie, mais demain ça peut être moi qui me marie. Du coup, tout le monde va venir pour aider ma famille. Donc voilà, ça peut servir pour tout à l'heure. Je vais tout bien filmer, comme ça les filles, si elles veulent manger, elles peuvent grignoter. Là, il nous reste des kiwis. Raisins, il en reste pas mal, donc on va les garder, je pense, pour demain. Donc voilà, sinon on a tout liquidé. Les pains de mie aussi, il n'y en a plus. Ouais, on a tout liquidé. Donc là, les petits plateaux de la mariée sont là-bas. Le bac de décoration, de toute façon, il faut que je le ramène chez ma tante, parce que je pense qu'ils en ont besoin.
Et puis voilà. Donc là, pour ma part, moi, je vais aller me changer, faire une bonne douche. Et on va continuer la suite de la journée. Hein. Là, j'ai déposé les deux plateaux. J'en ai ramené un à la mariée dans sa chambre. Et le deuxième, comme vous avez pu le voir, je l'ai donné à ma tante. Et en fait, j'ai dit à ma tante, bah, du coup, comme il y en a deux, c'est beaucoup pour la mariée. Bah, le deuxième, je vous le laisse, comme ça, vous le mettez sur la table du marié, puisqu'il y aura le marié, les imams. Comme ça, ils peuvent grignoter et tout quand ils seront à table, en attendant le grand repas. Ma tante, elle a compris la moitié des trucs. Elle a ramené le plateau au salon. Elle est partie. Elle a dit aux autres mamans, venez manger. Sophie, elle a dit, c'est pour nous. Ils ont déglingué le plateau. Ils ont déglingué le plateau. Ah, j'en pouvais plus. J'ai éclaté de rire. Je dis, mais c'est pas possible. J'arrive au salon, il n'y avait plus rien dans le plateau. Et ma mère, elle me dit, ouais, mais tata, elle a dit, on doit manger. Je dis, non, mais c'est pas possible. Putain, elles étaient trop mignonnes en train de manger et tout, en mode, comme si c'était pour elles. Bref, là, du coup, je vais aller rejoindre ma soeur. On va aller au magasin vite fait, prendre deux, trois trucs, des derniers trucs qui nous manquent au niveau de notre tenue, accessoires et tout. Et ça, je vais pas filmer, par contre. Et après, bah, on va rentrer à la maison. Enfin, je vais revenir ici chez ma tante pour assister à l'union, finalement. J'aurai le temps, je pense. Et ensuite, je vais retourner à la maison pour commencer à nettoyer la salade avec les autres filles. Tout ce qui est salade, on doit faire des gâteaux, des marbrés, des gâteaux yaourt. Il y a encore des gâteaux à faire, mais vraiment, c'est des gâteaux tout simples. Des gâteaux de dernière minute. Donc voilà. Là, il y a Kiki avec moi, elle est derrière. Elle est fatiguée en plus parce que je l'ai réveillée. Là, il est 10h. Je l'ai réveillée, elle était en train de dormir profondément. Quand on est à la maison et qu'on n'a rien à faire, elle ne dort pas. Et quand on a besoin de sortir, elle ne se réveille pas. Elle dort profondément. Bref, désolé. Allez, on y va. Coucou, beau gosse. Wesh, c'est qui? T'es stressé ou pas? Hein? T'es stressé ou pas? Un petit peu, hein? C'est qui? Oh. Ouais, t'es stressé, tu veux? T'es stressé? Hein? Ouais. Ah, ta soeur, elle s'est mariée, t'es stressé. Il est quelle heure? Il est 20h39. Et on est dans les rues. On est dans les rues, on a froid, on est fatigué. On rentre à la maison, chacun son poste, on va les nettoyer les salades. Ah, maman Ravicho, tu viens avec nous? On va les nettoyer les salades. Éplucher les tomates, bouillir les majoyis. Oh, je suis fatiguée, je sens plus mes pieds. Je suis en pantoufle. Demain, je crois que mon âme, il va quitter mon corps. Je pense. Ah non, mais... Coucou, les amis. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça va très, très bien. Doucement. Ça va? Donc, aujourd'hui, c'est le jour J. On est samedi 9 décembre. Il est exactement 8h45. Donc là, je viens de me réveiller, j'ai fait ma petite toilette. Mon visage, je pense que ça se voit que là, je suis en... Mon visage est en mode de survie. Donc là, aujourd'hui, on va continuer la suite des préparations. Aujourd'hui, ça va être que des cuissons pour les samoussas, les nems. Et que du dressage, on a fait les mini hamburgers. Garnir les petits pains, on a fait des petits pains où on va les garnir de thon et tout. Donc là, aujourd'hui, c'est mode dressage et dernière cuisson. Ensuite, on va faire tous les plateaux salades. Faire tout ça et les envoyer à la salle. Faut que tout ça soit à la salle pour midi. Donc, comment vous dire que je suis fatiguée, vraiment, vraiment fatiguée. Mais voilà, c'est pour la bonne cause. Hier, on a nettoyé toute la salade, coupé toutes les tomates, râpé toutes les carottes. Heureusement qu'il y avait le robot. Parce que vraiment, si vous aurez vu la quantité de carottes qu'il y avait... Ah, non. En tout cas, c'est fini. Là, pour le coup, aujourd'hui, c'est... L'ambiance, on va danser. Donc là, je vais pas ramener la caméra avec moi pour aller chez ma cousine
pour faire les trucs. Je vais pas filmer puisque voilà, il y a des filles, elles ont pas trop envie d'être filmées, donc je vais pas m'amuser à filmer les, à flouter les gens pendant le montage. Donc là, pour le coup, je vous reprends après, dès que je reviens à la maison, dès qu'on va se préparer avec Kimi. Donc à tout à l'heure. Coucou les amis, je vous reprends maintenant. Là, on est en train de se préparer. Donc on a fini tout ce qu'on avait à faire ce matin. On a fini très tard puisqu'on avait du retard. On a fini genre, je crois que c'était 14h ou 14h30. Donc là, on est rentré, je me suis reposée, j'ai fait la tête à Kimi, j'ai coiffé Kimi, elle s'est habillée. Donc là, c'est à mon tour, je me suis habillée, mais il manque que mon petit pagne. Là, j'ai commencé mon petit maquillage. Dites-moi ce que vous en pensez, je ne me suis pas encore coiffée. Regardez, on voit la différence entre mes cheveux et les extensions. Je dois remettre un coup de lissage sur mes cheveux. Là, le maquillage, il n'est pas fini, vous inquiétez pas, je dois estomper tout ça. Du coup, voilà, là, il est 17h. Ouais, il est 17h. On va partir à la salle. Alex est prêt. Kylie, je l'ai déposé chez sa grand-mère. Donc voilà. Là, je vais continuer à me préparer tout doucement. Je vais continuer à me préparer tout doucement et je vous reprends à la salle directement pour vous filmer l'ambiance et le show des Mahorais. Oui, j'ai vite fait.
j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous reprends. Aujourd'hui, on est le dimanche 10 décembre. Il est exactement 16h. Je viens de me réveiller. Je suis vraiment trop fatiguée. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais la voix, des fois, elle est là, des fois, elle n'est pas là. Le mariage s'est très, très bien passé. Ma cousine était trop, trop contente. Sa belle famille, pareil. Nous, on est trop, trop contentes. On est juste fatiguées, vraiment. Mais sinon, tout le monde était content. J'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. Ça vous a donné un aperçu de comment sont les mariages mahorais. Et encore là, c'était vraiment un petit truc. Hein. Mais quand on choisit de faire vraiment le mariage traditionnel en grand format, c'est, je vous laisse imaginer vraiment ce que vous avez vu pendant la vidéo. Vous le multipliez par 100, voire 200. C'est immense. Du coup, voilà. Hier, on est rentré à 2h du matin, 2h, 2h30. Les filles, elles étaient fatiguées. On n'avait que Kimi et Kiki, mais elles étaient énormément fatiguées. Du coup, on n'a pas traîné. On a préféré rentrer. Comme ça, on s'est reposé. Mais même avec ça, le corps n'a pas pu bien récupérer. Là, j'ai dormi. On a dormi jusqu'à 16h. Il est quand même 16h. Hein. Donc voilà, là, je vais aller me préparer. On est dimanche et tous les dimanches, on est chez ma petite belle-mère. Du coup, je vais aller doucher les filles. Les habits. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à la partager, mais surtout, surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On écoute, mais c'est DJ Kaya à la guitare basse, hein.